Allez, salut Thibault, on se retrouve à la fin du match contre Paris. Tu m'entends? Oui, je t'écoute, mon frère, je t'écoute. Ça va. Donc nous, on a suivi ça un petit peu de loin. On a vu que vous meniez 5-0 à la mi-temps. Tu peux nous raconter quand même un petit peu le match? Eh ben oui, avec plaisir. Ben oui, en gros, donc Paris a commencé avec un gardien numéro 2 à dans la cage. Ce qui fait que, à mon avis, un petit peu moins bon que le numéro 1, on met 3 buts en 7 minutes, 7-8 minutes. Donc, ce qui fait que ça nous a mis vraiment en confiance. Derrière, ils ont changé de gardien. Et puis, le jeu s'est un petit peu plus équilibré. Il y a eu des occasions un peu des deux côtés. Et nous, on a réussi à les mettre au fond. Entre autres, grâce à un gros Johan Kharkov, hein, qui met 4 buts ce soir. Après, en deuxième mi-temps, on n'est pas du tout retombé contre la même équipe de Paris. Ils ont complètement changé leur style de jeu. Ils sont devenus super, super agressifs. Ils sont venus chercher très, très haut. Et puis, eh ben, les 10 dernières minutes, eh ben, on s'est relâché un petit peu comme à notre habitude. On menait 6-2. Et puis, on leur laisse encore 3 buts cadeaux en 5 ou 6 minutes, quoi, 7 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. De... Donc, voilà. Non, après... on tiendra surtout qu'on a pris 3 points chez eux, que encore une fois on va battre une grosse équipe en concurrence directe chez eux à l'extérieur. Et donc moi je reste persuadé que notre équipe est capable de faire de belles et de bonnes choses. Maintenant c'est à nous de travailler un petit peu sur la longévité et d'être capable de faire des matchs de 50 minutes super intensifs. Et puis normalement ça devrait laisser prévoir de bonnes choses pour la suite. Bon ben très bien. Eh ben écoute, de toute façon vous restez 5e au classement. Ouais, parce que je crois que quand on passe devant, c'est ça. C'est ça, ouais. Quand on passe devant, Angers, Rethel, Garges et Caen, et voilà. Vous restez cinquième à 18 points. Voilà, on reste cinquième, mais bon, voilà, ce qui est bien, c'est que surtout, on ne suit pas la même trame qu'en première partie de saison, où, bon, en effet, on avait enchaîné 3 victoires d'entrée de jeu, et là, bon, bah, c'est vrai qu'on a su un premier revers contre Rethel, et là, le déplacement qui était capital pour nous. Voilà, on revient avec 3 points et ça fait du bien, quoi. Donc voilà, ça reste à confirmer maintenant un petit peu, mais on est très content d'avoir pris 3 points encore une fois à l'extérieur. Bon, bah très bien. Eh bah écoutez, vous êtes à Paris, passez une bonne soirée. Ça roule, pas de soucis, à bientôt, frère. Allez, merci, ciao. À toi, ciao, merci. Ciao, bon week-end.